Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Jurassic World Evolution où on se retrouve dans le coup pour notre suite de cette campagne entre guillemets sur Jurassic World où j'ai quelques petites surprises. J'ai fait les trois quêtes de l'île. Regardez pas l'argent, j'en ai beaucoup trop sur cette île dans le coup. Enfin les trois quêtes. Il me reste elle parce que... Bon, malheureusement, le Vélociraptor s'est fait bouffer par un T-Rex parce qu'il a essayé de s'échapper et il s'est fait bouffer par le T-Rex. Donc, faut que je la recommence malheureusement. Mais ça, je m'en occuperai en off. Ce n'est pas le plus dur. Hein. Vous voyez, il y a juste à incuber Diplodocus et Vélociraptor avec un génome à 80%, sachant que le Vélociraptor est à 100%. Et le Diplodocus, on va regarder ça. Diplodocus. 73, donc vous voyez, je peux pas encore tout à fait la faire, mais c'est pas grave parce que ma deuxième surprise, c'est surtout ça, c'est qu'on va se diriger sur cet épisode sur Isla Pena. Donc on y va tout de suite. Fonds disponibles, on commence déjà avec 6 millions, on n'est même pas en déficit comme la magnifique île de Takano, donc ça va être super. Donc allez, on y va de suite. Enfin sur Pena, donc c'est l'avant-dernière île. Sachant qu'une fois qu'on aura débloqué Sorna, j'espère vraiment, comme je vous l'ai déjà dit normalement dans un épisode, avoir votre participation pour Isla Nublar, voilà, Isla Nublar, pour faire Quelque un chose cloche sérieusement sur cette Jurassic île. World Et en ce qui immense. concerne les Bref, dinosaures, je vous laisse avec mon lui. instinct ne me trompe jamais. Je sais bien que ce qui se passe dans l'archipel relève du secret. Pas vraiment le choix. Mais là, c'est encore autre chose. On est trop à l'étroit, trop isolé. À croire que quelqu'un fait tout son possible pour qu'une catastrophe se produise. Faites preuve de prudence. Ok, donc voilà. Oui, alors cette île, elle est méga petite. C'est horrible. Nous pouvons absolument rien faire. C'est assez impressionnant, hein. Je ne sais pas trop quel projet ils avaient en tête pour cette île, mais l'aspect touristique n'est pas ce qui saute aux yeux au Non. premier plan. Non, alors clairement. Espace de construction restreint, frais d'entretien élevés, autant dire que ça ne va pas être du gâteau. Le Je Serra vous conseille ici, d'investir dans des le dinosaures parc prestigieux, d'amis. mais eux aussi ont leur lot de problèmes. Et voilà, en fait, c'est La ça, faut nature ne faire peut pas être des contenue. Elle dinosaures s'adapte. Elle cherche des prestigieux, failles. mais on n'a pas Elle les trop les trouve moyens. et Vous les voyez, on a exploite. C'est systématique. expédition. Ouais, tu vas te taire, Malcolm. Cette île est bien loin d'être le Alors, on paradis a des expédition dinosaures dont rêvait fossile. Alors. Hammond. Et si les choses tournent mal, il vaut mieux ne pas rester dans les parages. Alors, on va faire le poste de garde. Ouais, le problème, c'est ça, regardez. Et ouais, regardez, hein. On a vraiment pas la place. Et là, regardez. Vous voyez la place qu'on a, on pourrait mettre deux bâtiments, sauf que je crois qu'il y en a déjà qui l'ont fait en vidéo et qu'ils ont souligné ce petit désastre, c'est que même quand il y a de la place, eh ben, le jeu dit qu'il n'y en a pas. Alors autant là, je veux bien croire parce que voilà, voilà, c'est en pente, hein. On va pas se le cacher, c'est en pente. Mais là, voilà. Alors. Non. On va le laisser comme ça. On va le laisser comme ça. Ok. On va se débrouiller, hein. C'est pas le problème. Voilà, donc poste de garde, expédition fossile. Il nous faut Lucé. Sauf que lui aussi, j'ai cru voir qu'il... Il s'est mis en bleu à un moment. Ah ouais. Enfin, si tu te mets en bleu comme ça, on va avoir des problèmes de route. Alors, est-ce que tu peux te mettre en bleu comme... Non? Aussi? Voilà! Ouf! Enfin, je le construis, mais en fait, il est peut-être déjà construit. Non? Petite centrale.
Ok, donc on va faire du dinosaure prestigieux, selon eux. Quitte à faire du dinosaure prestigieux, il va nous falloir... Je pense qu'on va faire Metriacanthosaure. On va même peut-être modifier son génome. Ouais, on va le mettre en taïga. Comme ça, il sera à 115. Et là, on va faire 100 ultra performants. Voilà, comme ça, il aura longue espérance de vie. Il sera pas mal. Emplacement, viabilité, quand même, s'il te plaît. Ok, bon. On est déjà plus qu'à 3 millions. On est en déficit parce qu'on n'a pas de dinosaures, donc ça c'est normal. On peut faire ici un autre grand parc pour les herbivores. Et là on pourrait en faire un deuxième. Donc ça va être très chaud ici de faire un parc, hein, vous le voyez. Mais on va essayer de se débrouiller comme on peut. Alors, hop, 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 et c'est compliqué, hein. Voilà. Maintenant, est-ce que lui, il loge? Évidemment que non. Évidemment que non. Alors. Non, enfin, supprime, quoi, s'il te plaît. Alors. Réessayons. Ah, ben voilà. Quand vous voulez. Et après, on va pouvoir, oh, regardez, tricher. Ouais, bah oui. Allez, range ça. Voilà. On va pouvoir tricher pour refaire les barricades. Hop, alors. Voilà. Quoique toi, de toute façon... Toi, c'est où déjà? On va voir après. Ah, c'est là. Voilà. Excusez-moi. Alors. Donc, attends. Voilà. Eh, hey, on est pas mal. On est pas mal. Maintenant, va falloir du dinosaure coriace. Alors, attendez. Production, s'il te plaît. Ah, par contre, ce qu'on n'a pas, c'est le labo de recherche. Est-ce que tu logerais là-dedans, toi? Ah, t'es chiant. Est-ce que tu logerais dans le coup ici? Je vais peut-être plutôt le mettre à l'entrée pour y mettre les bâtiments. Ouais, non. Vu comme il est grand, il a l'air d'être chiant à mettre. On va plutôt le foutre ici. Voilà. S'il te plaît. Voilà. Ouais, il nous faut le labo de recherche. Ce qui est assez important. Dans le coup, il nous faut encore ça. Il nous faut Metriacanthosaure. T'es toujours pas là? Ouais, super. Alors, on va accepter. Alors, attendez. Soucominus. Divertissement. Je pourrais pas faire la mission pour l'instant, mais on débloque le bar. Carnot ou Soucominus. J'avoue que j'ai une préférence pour le Carnot. Non, le Succo. Plutôt. Les gens aiment se sentir en sécurité. Eh ben, on va construire un bowling. En sorte que ce soit le cas. Bah, je vois pas la sécurité, le rapport avec un bowling. Il
faut savoir se développer intelligemment et créer un environnement qui correspond. Moi, je suis partant. Hein. Voilà. Voilà. Nouvel élément de recherche disponible. Merci. Alors, oh putain, oui. Ah, le T-Rex c'est pas à 100% et il me refaut 2 millions. Bon, ça c'est pas grave. Le gars il prépare ses. Hop, ça c'est le plus important. C'est de la maladie. Hop. Là on a les fameuses barrières de béton. Donc ça c'est normal. Petite centrale électrique. Je peux en reconstruire une? Non. Attendez. Non, parce que en fait ça me saoule de pouvoir rien faire. Les chantiers sont terminés. Félicitations. À présent, il va s'agir de protéger ces bâtiments. Toujours pas. Ok. Toujours pas. Non mais vous êtes sérieux. Non mais le jeu est sérieux quoi. Je viens de casser la pente. Et je ne peux pas le faire. Enfin, c'est impressionnant. Pas ça. Oula, calme-toi. Voilà. Alors, Métriacanthosaure. On va le sortir de là. Regardons cette belle bête. Elle est magnifique. Et en plus, elle n'est pas de la couleur originale. Je lui échange un peu. Bon, là, il fait nuit. On voit pas grand-chose. Je suis désolé. Hein. Bon, c'est pas moi qui choisis la couverture météo. Hein. Ils ont voulu y mettre la nuit. Pourquoi pas? Si j'en crois le docteur Douard, il est ouvert. Ce Métriacanthosaure reste encore. Ouais, ben je sais, oui. Grâce à vous, nous en apprendrons peut-être davantage à son sujet. Et il est beau, par contre. Moi, j'aime bien. Par contre, j'ai oublié de faire quelque chose de sympathique, quoi. Le monde est dangereux. Mayazora, non. Enfin, pas pour l'instant. Mayazora est pas ma top priorité, quoi. Surtout que là, il faut absolument que je fasse une autre... Mais là, je vais user de la place pour ça. Ici. Allez. Non, route. Voilà. Ah, putain. Voilà, ça. Voilà, ça, on va l'augmenter dans le coup. 12, 14. 14, 16, 16. Il n'y a pas encore beaucoup de monde qui sont venus, donc c'est normal. Ok, 27 000. Allez, on va continuer. Toi, qu'est-ce que t'as à proposer cette fois? J'ai une nouvelle mission à vous confier. Passez-la en revue. Pour vendre au moins un par hasard. Vous feriez bien de l'accepter. Tu vas vendre un par hasard. Bon, bah on va vendre un par hasard. Mais avant, on va lui enlever. Voilà, le génome. Comme ça, il va me coûter encore moins cher. Et je vais pouvoir le vendre tranquillement. Ok, donc ça, jusqu'à là, c'est des missions assez simples. Ça va me faire gagner combien d'ailleurs? 50 000. Ah oui, d'accord. Ok. Bon, bah, je viens de me faire baiser. Mais pourquoi pas, c'est pas grave. On n'est pas pressé à la minute. Alors. Allez, il faut chercher du spécimen dinosaurifique. Ouais. Ah, on a débloqué le Camarasaur, ça c'est bon. Recherche, donc lui, mission scientifique de Takano. Donc oui, bah faut que je la fasse. Mission spéciale. Le Giga c'est pour Pena, donc c'est où on est. Le Cantro c'est sur Pena. Là lui c'est Sorna, donc c'est pas bon. Muerta. Je l'ai pas fait, Muerta, d'accord. Sorna, je l'ai pas fait. Bah, c'est normal, c'est celle qu'il fallait que je fasse, que je ferai en off. Pena, donc on est en train de voir pour la voir lui. Takano, je suis pas à fond dans le. C'est normal. Et Pena, c'est normal lui. Et lui, c'est Sorna, les fameux allosaures. Donc, ça, je vais aimer en mettre. Je kiffe les allosaures. J'ai un bémol pour le jeu où tu peux en mettre que un par enclos alors qu'ils pouvaient se balader en groupe. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Hein. On fera avec.
Pourquoi on a moins 7000 là? S'il vous plaît, les enfants. Pourquoi on a moins 7000? J'aimerais bien savoir. C'est les bâtiments qui me coûtent cher encore. Gaspillage, 28 000 de gaspillage. Ah ouais. Ça fait mal au derche ça. Réduis-moi les frais. Non, ça changera. Right. On va être dans le caca alors. On va être dans le caca. Parce qu'un maîtria tout seul, c'est pas la joie. De toute façon, là, va falloir que je vende un para. Ça va rembourser un peu, ça me pourra mettre d'autres dinosaures. Mais le laisser 2 minutes, ça va peut-être me remettre aussi un peu dans le bleu. Nouveau contrat, allez. Parce qu'il faut qu'on en accepte le plus possible. Ce contrat m'a l'air important et mérite un réflexion. Homme, petit dinosaure qui chasse. Un dinosaure qui chasse. Ouais. R, équipe de garde. Attendez. L'équipe de garde, elle est où? T'es là. Non. Conduire le véhicule. Oh là 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 là. Allez. Allez, avance. Attendez. Oui, bah oui. Les hélicos sont en plus de retour. Oh putain, attendez. Bah on vend. Ah oui, on vend. Quand t'es en déficit, tu vends. Bon. Équipe de garde. Non, pas signé. Oh, je me fais avoir à chaque fois. Allez, vite. Go. Aïe. Prendre une photo d'un dinosaure qui chasse. Allez, on va voir le maîtria. Et on va voir s'il chasse. Wesh. Ouais, non. Gros, t'as eu ton permis où? Non, alors par contre, quand je tourne, tu tournes. Vite. Allez. Parce que là, on n'attendra pas. Hein. Je vais attendre avant de le vendre parce que ça va peut-être me mettre les dinosaures. M'enlever le déficit. Ouais, je sais quoi cette route là. Le jeu est bizarre quand même, hein. Il nous fait des trucs chelous. Allez, attention, tut tut. Poussez-vous. Oh là 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 là. Ouais, donc on est en repositif. Ça c'est cool. Ok. Ouais, calme-toi par contre. Ah ouais, par contre, t'as pas besoin d'être chargé. Bon, attends. Coucou. Voilà. Fidine, ça c'est chiant. Dans le coup. Je suis à 11 000. Nouveau contrat. Sécurité. Mais t'as pour exhumer un de grande qualité. On pourrait en profiter tous les deux sur le long terme. Ouais, tu me fais chier quoi, surtout. Tu nous casses les couilles, surtout. Ouais, tu vas te calmer! Hop là, voilà. Alors. Vendre le para. Et il est où? T. Ajouter. Oui, en plus, t'as même pas de mangeoire, donc tu vas crever de faim, donc c'est pas cool. C'est vraiment pas cool ce que je fais. Bravo. Que je pourrais avoir une petite photo souris. Wouhou, merci. Ça fait plaisir, tu vois. Ok, bon. Ben, je vais essayer dans le coup de finir ça en off. Je vais essayer de cumuler plus d'argent pour la prochaine vidéo parce qu'on s'approche dangereusement beaucoup de la fin. On est peut-être même à la fin depuis 5 minutes. Donc sur ce, moi je vais vous laisser là. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter, à vous abonner si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à participer
pour Isla Nublar, parce que je ferai un entre guillemets un zoo, un Jurassic World. Mais il y aura sans doute aussi des tests de combat de dinosaures, on verra. Mais pour cela, il me faut vos avis des dinosaures que vous aimeriez voir dedans. Parce que ce parc aura des dinosaures que vous aurez choisis et pas que j'aurai choisi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez. Sur ce, moi je vous laisse et puis je vais vous dire à la prochaine pour de nouveaux épisodes. Ciao, ciao.